Bonsoir bien-aimés, bonsoir, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment. Comment vous allez? Très, très bien. Il est 6h30, donc voyons un sujet ce soir, si le Seigneur le permet ainsi, s'approcher de Dieu. On peut voir ce sujet-ci, s'approcher de Dieu. Et on va voir s'il y a des questionnements. Avec des questionnements pour qu'on puisse tourner autour. S'approcher de Dieu. Il faut qu'on voit ces sujets. Ou mieux encore, comment s'approcher de Dieu. Comment savoir qu'on est près de Dieu. S'approcher de Dieu. Beaucoup de choses nous arrivent dans la vie et nous ne connaissons pas quelle est la source qui crée ce genre de situation. Beaucoup de choses nous arrive dans la vie et nous ne savons pas quelles sont les situations, les choses qui causent ces situations, alors qu'il y a une cause. L'heure et l'air à laquelle nous vivons est tellement néfaste que chacun devrait s'approcher davantage vers Dieu pour obtenir miséricorde. Je vais parler de s'approcher de Dieu. J'attends qu'un passage puisse me donner pour me cadrer et puis on va avancer. L'heure à laquelle nous vivons, c'est une heure de grandes séductions. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont à notre alentour, qui sont prêtes, qui nous a conditionnés à ce qu'on soit éloigné de Dieu sans nous en rendre compte. C'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire que quoi? On est dans une atmosphère, dans un environnement où on est éloigné de Dieu sans on ne sait pas qu'on est éloigné de Dieu. Donc le plus dangereux maintenant, c'est qu'on ne sait même pas qu'on est éloigné. Il y a donc des conséquences néfastes par rapport à cela. La plus grande des choses véritablement en ce moment, c'est qu'un chrétien vraiment puisse demander au Seigneur, c'est d'écouter sa voix authentique. Si tu entends du Seigneur parler, si le Seigneur parle véritablement et que cette voix-là conforme à la parole, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu peux maintenant marcher selon sa volonté parfaite. Alors par conséquent, les situations ne peuvent plus te faire murmurer. Vous allez donc savoir que dans cette situation-ci, voici ce que Dieu dit. C'est par conséquent, si quelque chose est en train d'arriver à gauche ou à droite, vous savez ce que Dieu a dit. Mais pour cela, il faut s'approcher de Dieu pour entendre véritablement de façon authentique. Il faut s'approcher. Vous me saisissez, n'est-ce pas? Il dit bien, les conséquences sont graves de ces faits-ci. C'est pour cela qu'on ne parvient pas à être stable dans la foi. Parce qu'on n'entend pas la voix authentique du Seigneur. Hein? Ou bien on n'est pas près du Seigneur. Par conséquent, c'est les situations, on n'est pas assez sûr si on est sur le chemin, oui ou non. Par conséquent, on peut chuter à tout moment. Voici pourquoi il faut s'approcher de Dieu. Sinon, vous ne savez pas comment quelqu'un est ballotté de façon dans un camp, dans un autre, à chaque fois. Qu'est-ce qui a de nous arriver? Le fait qu'on n'est pas approché de Dieu. Il faut qu'on s'approche de Dieu. Jacques, chapitre 4. Merci, Père. Merci, Père. Puisse le Seigneur Jésus-Christ vous bénir. Jacques, le livre du frère Jacques. La partie A du verset 8 de Jacques chapitre 4. La partie A dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Vous avez vu? Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Dieu attend que qui fasse le premier pas. Dieu attend que qui fait le premier pas. Il a envoyé sa volonté. Souvenez-vous, toute écriture est expirée de Dieu. C'est son souffle. Il a soufflé dans Jacques, écrit qu'il vienne pour que je puisse venir. C'est ça, n'est-ce pas? Il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de nous. Question, comment s'approcher de Dieu? Comment s'approcher? Comment donc s'approcher? C'est terrible, pas vrai? Donc maintenant, regardez, je dis ceci. La conséquence, c'est ceci. Quand on n'est pas sûr qu'on est proche de lui, qu'on est vraiment ancré notre foi en lui, des situations défavorables qui nous arrivent sont susceptibles de nous décourager par rapport à notre marche. Des situations défavorables. Alors maintenant, si vous lisez tous les personnages de la Bible, vous allez remarquer que tous les personnages de la Bible, sans exception, sont passés par des moments difficiles que si on vous demandait de vivre comme eux, vous refuserez. Pas vrai? La question maintenant, c'est ceci. Eux, ils n'avaient pas, la grande majorité d'entre eux n'avaient pas la Bible. C'est leur vie à eux qui était notre Bible que nous avons aujourd'hui. Vous pensez que comment ils vivaient au jour, le quotidien? Vous, quand ça n'est pas pour vous prenez le son pour réciter.
Quand David, lui, on le poursuivait partout dans le désert, il fallait qu'il écrive ces psaumes-là pour que nous lisons aujourd'hui. Comment est-ce que lui tenait? Quand Job existait, Moïse n'était même pas encore né. Job, le prophète Job, comment est-ce qu'il savait qu'il fallait offrir des holocaustes pour protéger ses enfants? Qu'est-ce qu'il faisait quand il souffrait comme ça dans sa souffrance? Comment est-ce qu'il faisait pour vivre et tenir ferme sur ce Dieu-là? Mais c'est n'est-ce pas, frère? Qu'est-ce qui lui donnait cette force-là? Donc, tous ceux de l'ancien, voilà Abraham qui marche. Dieu lui parle. Que une sainte postérité va sortir de toi. Ils disent, un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, dix ans, onze ans, douze ans, quinze ans, vingt ans, ça ne passe pas, frère. Aujourd'hui, si on a une promesse, ça ne marche pas. Deux ans après, on est dans un autre lieu. Parce qu'il faut qu'on cherche. En fait, comme vous allez, tout va en vitesse là. Fast food, fast ceci, il y a même fast prayer, fast en ça. C'est-à-dire que les prières express. Alors, c'est pour ça qu'il y a des livrets de prières pour montrer aux gens que vous faites comme ça, vous aurez le résultat. C'est pas comme ça. Souvenez-vous de ça, ce n'est pas comme ça. Dieu n'a pas un biais automatique où il y a le code là-bas, le code barre. Où tu plonges le biais, où plonges le ticket, le biais sort. C'est pas comme ça. Le Seigneur n'est pas comme ça. C'est-à-dire que quand on est connecté au Seigneur de la bonne façon, si nous prions, il ne répond pas, la prière est en train d'être travaillée. Le problème maintenant, c'est savoir prier comme il veut et savoir rester tranquille comme il veut. Comme on prie, on le gronde. Si tu ne réponds pas, je vais faire ceci. Et puis ça fait quoi à Dieu? C'est ici, n'est-ce pas, frère? Il y a un problème. C'est plus on s'approche de Dieu, la Bible déclare qu'il va s'approcher de nous. La question maintenant, c'est ceci. Quand il s'approche, c'est pourquoi? Ça suppose que plus je connais Dieu mieux, plus je me connais mieux et je connais ce qu'il veut de moi mieux. Et plus je connais maintenant son fonctionnement. Nous avons besoin de nous approcher du Seigneur. Nous avons besoin de nous rapprocher du Seigneur. Nous avons basé nos relations avec lui par rapport au matériel qu'il nous donne, par rapport aux bontés qui nous arrivent, par rapport à la grâce, la protection qu'il nous donne, de telle enseigne que c'est voilà le niveau où on a réduit la relation. Alors qu'il a dit clairement dans ce livre des Proverbes-là que oui, je vais t'instruire aujourd'hui. Je veux t'instruire, oui, toi. Pas vrai? Il a dit qui? Je vais t'instruire. Donc, il pointe le doigt sur chacun de ses enfants qui veut t'instruire. En fait, il dit, venez à moi. Comme vous avez dit ici, venez à moi, tout ce qui est fatigué et chargé. Vous dites, je suis venu à Jésus. La question maintenant, c'est, depuis que tu as dit que tu as venu à Jésus, as-tu entendu savoir une seule fois depuis ta conversion, entre guillemets, que quelqu'un se pose cette question, c'est honnêtement. Honnêtement. Si c'est non, on est où depuis? Si c'est non, on est où depuis? Et dans ce cas, il faut qu'on revienne à l'ordre, on s'approche de lui. La principale chose, donc, qui nous éloigne de lui, c'est la non-lecture, la non-méditation de ses voix. La parole. Vous saisissez, n'est-ce pas? La négligence de la parole, c'est... Enfin, vous négligez la parole, vous avez commencé à vous éloigner de lui. Il n'y a pas deux façons. Il n'y a pas deux façons de venir vers lui. C'est au travers de la parole. Plus vous lisez, vous méditez, vous vous approfondissez, plus la Bible flash sur vous, ça vous montre ce qu'il ne veut pas, ça vous montre ce qu'il veut pour vous, au fur et à mesure, vous discernez et distinguez sa voix. Il y a ton frère qu'il faut que tu t'approches de Dieu. Donc, dans Jacques chapitre 4, verset 8, la partie A que nous avons lu, il dit, approchez-vous de Dieu. Si c'est un ordre, il ne dit pas à tout le monde. Vous remarquez, Jacques va toujours parler là-bas des bien-aimés. Il s'adresse aux bien-aimés. Vous suivez les prédicateurs dans la Bible, vous savez... On dit des choses que non, le chrétien n'a pas besoin de dire que si Dieu le veut. Parce que quand on dit Dieu le veut, c'est là, tu as de les douter. Ce n'est pas ça, frère. Que le chrétien n'a pas besoin de dire effectivement qu'on a plus besoin de dire que je m'approche à toi. Tu dois t'approcher. Parce que la Bible dit, le Nouveau Testament dit que approchez-vous de lui. Pourquoi? Parce que tant qu'on est sur cette terre-ci, il y a des choses qui sont susceptibles de nous retirer de lui. Retirer de lui. C'est-à-dire qu'il vous coupe de telle façon que vous entendez pour savoir, vous êtes la sécheresse. Vous savez seulement que les versets bibliques par réflexe vont venir quand Dieu a aimé, qu'il a donné son fils unique. Ça ne changera pas dans la Bible ni dans votre cerveau, mais la relation avec lui va cesser. La relation. Vous vous souvenez de cet exemple qu'il prend chaque fois. Vous coupez un bananier comme ça, tchang, vous mettez là-bas. Du matin au soir, c'est vert. Mais donnez deux ou trois jours, vous allez voir, les feuilles vont devenir jaunes. Pourquoi? Parce que le reste de la serre qui était là alimente encore la feuille. La feuille en haut, on ne sait pas qu'elle ça a été coupée au du tronc. Mais ça continue à Dieu a dit Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aha. J'en dérange. Ah. J'en dérange. Ah. Et puis voilà, la feuille tombe et elle meurt. Nous avons besoin de nous approcher de Dieu. C'est pour cela que dans Éphésiens chapitre, enfin, dans 1 Pierre chapitre 2, il dit Jésus-Christ est la pierre vivante, n'est-ce pas? Rejetée par les hommes. Une pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse pour Dieu.
Il dit, vous de même, comme des pierres vivantes, vous de même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous vous-même pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. C'est ce qui est écrit dans 1 Pierre chapitre 2. Édifiez-vous vous-même. Qui doit s'édifier? Donc il y a une part du Seigneur, il y a une part qui est nôtre. Et comment s'édifie-t-on? La Bible répond dans Éphésiens chapitre 5, verset 19, édifiez-vous par les psaumes. Donc, ça veut dire que la Bible nous invite à entrer dans la parole pour s'édifier. Il n'y a pas deux façons. D'accord? Édifiez-vous les uns les autres. Je ne vais pas venir pour prendre un papier, mettre sur toi, prendre le ciment, mettre sur toi. Il y a une parole que je dois avoir médité ici et qui a béni mon âme. Je dois venir te dire aussi ça pour que ça te bénisse aussi. Je t'édifie. C'est ça, frère. Donc, la Bible déclare qu'il faut qu'on s'approche de Dieu et il s'approchera de nous. Dans 2 Chroniques au chapitre 16, le verset 9, il dit que les yeux du Seigneur, de l'Éternel, parcourent la terre. Pour faire quoi? Pour soutenir tout ce dont le cœur est tout entier à lui. Ce dont le cœur est tout entier à lui. Je recommence encore ceci. Si on ne sait pas approcher de lui véritablement, on est susceptible à ce que les éléments qui sont autour de nous, qui sont des faces, nous disqualifient, nous distraient et nous éloignent de lui. C'est-à-dire que nous entendons plus la réalité de ces événements plutôt que la vérité qui émane de lui. Alors maintenant, plus nous contemplons, donc comme 2 Corinthiens chapitre 3 dit, plus nous contemplons dans ces miroirs, nous sommes transformés, c'est ce que la Bible déclare, par la même image, comme par le Seigneur, l'Esprit. Et il dit donc, là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est quand même curieux. C'est-à-dire que la Bible indique exactement comment avoir la liberté. Exactement. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Père, sanctifie-la par ta vérité. Ta parole est vérité. On dépose la Bible là-bas de côté. On dit, j'attends que le Seigneur me parle. S'il ne me parle pas, je ne crois pas que ceci est vrai. Quoi? Et sa parole est la vérité. Et donc là, comment vas-tu entendre encore une autre voix? Et puis ça va te conduire dans la vérité. Si ce n'est pas ici. Si son esprit te parle, il parlera selon la parole. Il parlera selon la parole. Vous saisissez? Donc, nous avons besoin de nous approcher encore davantage du Seigneur. Est-ce qu'on se comprend? Donc dans cette implique, il dit édifiez-vous vous-même. Pour former une maison spirituelle, donc pour que le corps soit bâti, pour que le Saint-Esprit puisse agir en toi, en nous, en abondance. Un saint sacerdoce. Il dit que c'est à ce moment-ci, après que ceci est arrivé, que vous pouviez offrir maintenant des victimes. C'est ça, n'est-ce pas? Agréable à Dieu. Alors maintenant, quelqu'un dit que j'ai donné ma vie à Jésus, que demain il m'avait prêché. On dit qu'il faut que c'est calme, il s'édifie lui-même, qu'il forme un saint sacerdoce. À partir de là, quand il a fini, il pourra donc offrir des sacrifices à Dieu. C'est-à-dire que les victimes prêchent maintenant selon la vérité. Parce que si toi-même tu n'es pas encore dans la vérité, tu vas conduire les gens dans les erreurs. D'accord? Donc il est nécessaire qu'aujourd'hui nous comprenions qu'il y a des choses qui nous distraient afin que nous ne nous approchions pas de Dieu. La principale chose donc qui nous distrait, c'est les soucis de la vie. La principale chose qui nous distrait, c'est les soucis de la vie. C'est-à-dire que la chair a les désirs que ça voudra satisfaire. Vous allez beau parler n'importe comment, même si tu vas parler n'importe comment, il faut que tu penses que c'est ce que tu vas manger demain. Si tu loues quelque part, il va falloir que tu penses à payer le bailleur. C'est normal, c'est la nécessité de la vie. Pas vrai? Maintenant, la Bible dit que Dieu veut qu'on le cherche, qu'on s'approche de lui. Comment tu vas t'approcher à Dieu sinon que tu vas prendre le temps devant lui, dans la parole, pour étudier, pour prier devant de lui, afin qu'il te révèle ce qu'il a pour toi. Donc, l'une des choses que chacun devrait avoir comme but objectif, c'est de savoir exactement ce pourquoi il est sur la terre. Frère, si vous savez exactement ce que vous êtes censé faire et que vous voyez très bien que vous allez quitter la voie, vous vous mettez sur cette voie-là. Quel qu'en soit ce qui arrive sur la voie que Dieu a tracée pour toi, il est au contrôle. Parce que c'est dans son plan. Mais c'est ça, frère. Donc, il est temps que chacun de nous recherche avec assiduité ce que le Seigneur a pour lui. Ça, c'est individuel. C'est individuel parce que tu as une empreinte individuelle. La Bible déclare que nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avant afin que nous les pratiquions. Chacun a une bonne œuvre que Dieu a préparée, qu'il pratique. Aller devant de lui, comme Saül a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il a dit, lève-toi dans la vie, on te dira ce que tu dois faire. Il est dans le plan comme ça, pas vrai? Donc chacun doit faire ces choses devant le Seigneur. Tant qu'il ne répond pas véritablement, vous devez rester devant lui. Nous devons rester devant lui pour que chacun sache qu'il est à sa place. Voilà pourquoi il y a trop d'embrouilles, principalement dans le corps du Seigneur. C'est.
Vous allez voir quatre personnes. Quelqu'un m'a dit que Dieu m'a dit que vous avez une fille vient. Quoi, je sais pas, en 2009, il y a une fille qui est venue me voir. Et le frère Junior, je suis confus, c'est quoi? Il dit, elle a trois frères de l'assemblée qui m'ont dit que Dieu leur a dit que c'est son enfant. Il dit que c'est que tu as trois dans ton assemblée, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Un a parlé à l'autre, l'autre a dit non, c'est moi qui préfère, l'autre a dit c'est moi qui préfère. Trois dieux. Donc elle veut me voir parce qu'elle est confuse, parce que trois frères disent que Dieu leur a dit, chacun dit de son côté. Et ils disent comme ça indépendamment, ils ne savent pas que l'autre frère aussi dit la même chose. Que Dieu a dit que tu es mon épouse. Quel Dieu a parlé? Et c'est plein à milieu chrétien maintenant, comme ça, des révélations. Que le Seigneur m'a dit que, le Seigneur m'a dit que, demain le Seigneur a dit autre chose, le Seigneur a dit autre chose. Il y a un problème. Alors si nous ne nous approchons pas de Dieu pour entendre ce qu'il est là, ce qu'il a envie de dire, ce qu'il veut de nous, nous sommes susceptibles donc, par toutes les autres voix, à entendre des choses. Et ces choses-là, si nous entendons une autre voix qui ne vient pas de lui, sachant que si nous marchons d'après cette voix, nous sommes en train de marcher hors de sa volonté et dans la volonté d'une autre personne qui allait nous conduire à la perdition. Donc il est nécessaire que nous nous soumettons à lui, que nous nous approchons à lui. S'approcher de lui, il a déjà dit dans la Bible plusieurs fois. Dans Josué 1,8, il a dit, vous recommandez ça vous-même aux gens. Que ce livre de la loi, c'est vraiment pour ta bouche. Vous ne vous dites ça aux gens. Mais toi-même, ça ne te laisse pas. Que médite le jour et nuit. Toi-même, la nuit, tu ne peux pas lire. Le jour, tu ne peux pas lire. Il y a un problème. Donc, nous sommes champions en conseil. Il dit que ce livre de la loi, c'est vraiment pour ta bouche. Médite le jour et nuit pour... Vous avez vu, n'est-ce pas? On ne médite pas tout simplement. Pour agir fidèlement. Nous comprenons que dans ce livre de Josué, il a dit de parler de l'individualité avec la parole. Il n'a pas dit médite ça pour aller dire aux gens. Il a dit médite pour vivre fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit, frère. Il dit c'est alors que tu auras du succès. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, on laisse la méditation de la Bible au pasteur. On veut que le pasteur enlève le problème qu'il y a dans sa vie. Que pasteur prie pour moi, je vois du feu. Alors maintenant, supposons qu'il tend ma main sur toi, que le feu qu'elle voit là, que ça sorte. Dieu dit que si j'enlève le feu là sur elle, que je suis en train de mettre pour la régresser, j'envoie sur toi. Vous pensez qu'il veut faire comment? Je vais dire que ça, mieux ça reste sur toi que Seigneur. Si c'est pour ta volonté, multiplie même par quatre. Vous cessez ça, n'est-ce pas? Donc, il est important que nous approchions de Dieu pour que chacun connaisse. C'est pourquoi, frère, véritablement, si 1, 2, 3, 4, 5, 6 chrétiens, 7, 8, 9, 10, ou tous les chrétiens sachent distinctement où ils sont positionnés. J'espère que vous savez très bien que chaque chrétien est membre du corps. Et là, ben, dans ces cas, si on est membre du corps, chaque corps, membre du corps a une fonction comme le corps humain. Vous me saisissez, frère? Alors maintenant, si chaque membre a une fonction, si une fonction, un membre ne fonctionne pas bien, l'handicap est clair dans tous les autres membres du corps. Pas vrai? Mais imaginons donc, en pensant à cet exemple, imaginons donc quel handicap nous amenons dans l'église. Le fait que toi, tu ne fonctionnes pas. Le fait que tu ne sais même pas quelle est la fonction que tu en es de faire. Donc, ça veut dire que c'est un handicap comme ça au milieu chrétien. Pas vrai? D'où la nécessité que chacun s'approche de Dieu pour savoir de quoi il est question par rapport à lui-même. Vous savez, c'est ça, frère? Vous me comprenez? Donc, les gens ont compris que, beaucoup de personnes ont compris, et à tort, que les vrais serviteurs de Dieu, ce sont ceux qui annoncent la parole, comme je t'en ai annoncé là. Que non. Les dons spirituels sont disponibles. Le ministère du chrétien dans le Nouveau Testament n'a pas changé. Sinon, on va quitter les dénominations, on va toujours s'asseoir comme dans les dénominations, s'asseoir. Il faut que le frère Junior vienne parler. Ce n'est pas là, on ne parle pas. Ce n'est pas seulement parler qui est le problème. Il y a d'autres ministères dans la Bible qui est le ministère chrétien. Ce n'est pas l'enseignement seulement. Ce n'est pas de prendre la parole comme ça, parler qui est quelque chose. Ce n'est pas ça dont c'est les questions. Vous savez, n'est-ce pas? La Bible déclare que celui qui appelle à son ministère s'attache à son ministère. À la prophétie, s'attache à sa prophétie. La prophétie. Celui-ci s'est fait dans ce livre de Romains, chapitre 12, là, verset 3 à 8. C'est ce qui est écrit là-bas. Alors, mais quand toi tu lis là, c'est à qui on s'adresse? Que celui qui est appelé à ceci. Pose-toi la question. Ça ne te concerne pas? L'apôtre Pierre parle que si quelqu'un parle, qu'il parle comme déclarant les oracles du Seigneur. Tu parles que quoi? Congosa. C'est pas ça, c'est les oracles là-bas. Dans ce Romains chapitre 12, verset 3, il dit que selon la grâce qui m'a été accordée, je dis que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus du Seigneur. Pas vrai? Mais quand vous lisez des versets comme ça, ne vous posez-vous pas la question, quel est le don que j'ai reçu du Seigneur? Pourquoi ne posons-nous pas la question, Seigneur, qu'est-ce que je dois donner? Suis-je un producteur ou bien un récepteur? Je vais seulement recevoir chaque fois. Qu'est-ce que je dois faire? Si vous dites que vous êtes chrétien, il n'y a pas de chrétien sans don. Il n'y en a pas. Si vous n'êtes pas chrétien, vous êtes religieux. D'accord? Et si vous étiez dans cet état-là, maintenant, puisse le Seigneur vous réveiller maintenant afin que chacun cherche sa place. D'accord? Sinon, on va prendre des congés véritablement où chacun doit travailler. Et vous allez voir comment chacun, dans l'isolement, vous allez voir que votre vraie nature va s'élever.
quand on se réunit seulement on ça pour cantonner ça, vous savez, pour contenir. Vous savez, quand l'eau en train de sortir, qu'on bloque, on essaie de bloquer, mais la pression là, ça augmente. Si on lâche un peu, vous voyez comment l'eau sort. Donc, c'est qu'on va prendre vraiment des congés pour que chacun examine. Comme ça, si quelqu'un examine, si ça prend un temps, on dit que l'eau entraîne dans le monde, ça entraîne. C'est le vrai endroit où il devait être. Mais c'est ça. Hein? Donc, il faut que chacun s'approche de Dieu. Donc, vous prenez, c'est surprenant, vous vous asseyez quelque part, vous dites à quelqu'un que prends, lisons le livre de Nahum. Vous voyez, quelqu'un tourne le vrai vers quelqu'un, dit, Nahum, c'est dans la Bible. Que Nahum est dans la Bible. Il ne sait pas si Nahum est dans. Mais que Nahum, une femme, Nahum dans la Bible. Donc, pendant que tu allais prêcher sur Nahum là-bas, il a réfléchi comment que Nahum. Donc, il va sortir là-bas, il ne comprendra pas ce que Nahum a dit. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en contact avec cela. Le plus grave, c'est qu'on pense que cette Bible, c'est pour le pasteur. Le plus grave, on pense que c'est pour le pasteur. Donc, c'est au pasteur de lire. Vous dites, je lis, je ne comprends pas. Dieu n'a pas dit que tu lis pour comprendre. Il a dit que tu lis. C'est pas ce qui est écrit. Voilà. Alors maintenant, au fur et à mesure, donc, 2 Corinthiens, lisons cela. Je lis, ou quand ça ne va pas, vous prenez la Bible. Que tout le monde, j'ouvre là où ça va me plaire. Quand je veux, j'ouvre. Que Seigneur, quand je veux ouvrir, le Seigneur me parle. Fais, ta! Tu entends, répands-toi, tu fermes encore rapidement. Tu fermes rapidement l'endroit, que tu répands-toi comment? Mais quand tu ouvres un endroit, tu entends seulement, je suis avec toi pour te délivrer. Tu dis, oui, Seigneur, j'entends ta voix, tu parles. L'autre voix qui avait parlé là-dedans. 2 Corinthiens, chapitre 3. Tout le monde y est. Ça dit que les situations de la vie ont tellement conditionné les gens. C'est pour ça que vous entendez que quelqu'un est venu. Il y a un seul qui est venu là-bas. Il y a un frère qui lui a promis le mariage. Après, elle ne s'est pas mariée. Elle a fui partir. Donc, c'est pour ça qu'il venait. C'est mieux qu'elle parte. Sinon, c'est une agence de destruction massive. L'autre a dit que j'ai prié, ça fait longtemps qu'il souffre, il faut qu'il trouve le travail. Je vous dis sincèrement, c'est pour ça que vous voyez très bien que je ne m'avance pas, m'aventure pas pour prier pour quelqu'un n'importe comment. Parce que quelqu'un peut être dans la volonté de Dieu, le processus de Dieu de transformation dans sa vie. Tu étends ta main là-bas, tu coupes sa part. C'est-à-dire que Dieu coupe une partie pour te donner, que supporte un petit voix. La question maintenant c'est, pourquoi suis-je en train de traverser cette situation? Pourquoi? Il y a des gens ici comme ça, qui sont là comme ça pour que quelque chose déclenche, son situation est décantée. Ah, tu le vois, tu ne verras plus ici. Vous vous souvenez de cette femme qui était venue à l'opéra, qui avait le mal de... Vous avez le pancréas, qui la perforation du poumon là. Vous vous souvenez? Elle était venue une séance, deux séances, elle était assise là comme ça, comme une séance. Vous pouvez croire que c'est la mère de Marie. Elle était là pourquoi? Pour la guérison. Prochain, quand on a prié, elle était guérie là. Vous savez, est-ce que la prochaine fois vous avez vu comment elle était habillée, non? En rouge, elle est passée là, vous êtes tcha-tcha. Pendant qu'il prêchait chaque fois, elle guettait seulement le but. Il sentait que non, il faut la comprendre. Maman, tu as une réunion, non? Elle a dit oui, elle a une réunion. Donc, elle est en pleine réunion, de là où l'Esprit de Dieu l'a guéri. Mais sa pensée est dans la réunion mondaine, parce que son agent se trouve là-bas. Ça veut dire qu'elle ne sait même pas ce qui lui est arrivé. Quelqu'un comme ça qui reçoit une grâce du Seigneur, abandonnerait tout pour davantage. Comment quelqu'un peut prier à distance sans me toucher? Une tornade, il vient de tourbillon. Comme vous voyez là. La terre fait souvent comme ça, comme le tourbillon. C'est ça que j'ai regardé cette chose, se diriger vers elle. Fait boum, ça l'a renversé avec celle-là. Boum, au sol. C'est terminé. Là, l'hôpital, c'était terminé. Le docteur était surpris. La prochaine fois, elle est venue comme ça. M'en vais à l'église. Qui m'en vais à l'église. Elle se tient là-bas. Elle a mis le rouge à l'œil, ça s'est arrivé au niveau du jour. Mais quand elle n'avait pas ça, parce que personne ne pouvait voir, elle devait dire qui devait la regarder. Donc, mieux souvent, Dieu laisse les gens comme ça là. C'est n'est-ce pas? Vous riez comme ça. Si vous faites comme ça, là, ce que veut dire, ma soeur, tu dis, non, je suis allé rendre visite à ma famille. Quand tu étais souffrant, là, tu ne voyais pas ta famille. Parce que tu veux seulement aller monter, comme on voit que même toi, ta tête dans l'eau, que ton Dieu, là, est vivant. Alors, la prière à la maison, maintenant, c'est quoi? Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire, c'est pas ça. C'est que, on m'a tellement mépris ici dehors. Donne-moi le travail. Quand on voit l'argent, qui va voir ta gloire, c'est pas ça. Dieu n'a pas besoin de te donner l'argent pour prouver aux gens qu'il existe ou bien qu'il est glorieux. Non, il n'a pas besoin de ça. Ou c'est ça, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez que l'un des ministères chrétiens, l'une des grâces qui a été donnée aux chrétiens, il dit bien les grâces qui a été donnée aux chrétiens, c'est de souffrir. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Il dit qu'il vous a été fait la grâce non seulement de croire, mais de souffrir. Et là, c'est que le diable a dit qu'il va te voler, j'arrache. Et tu ne connais même rien que tu as. Que le diable arrache comment? Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Les bonnes choses qu'il a préparées d'avance afin que nous le pratiquions. Satan peut voler cela. Il est nécessaire que nous approchions de Dieu pour savoir ce qu'il a préparé pour nous, pour que nous pratiquions. Qu'on cesse des bassesses terrestres là.
Il faut que nous arrêtions les bassesses terrestres. Amen. Déjà, qu'est-ce qu'il veut faire pour vivre? Comment je vais vivre? Il faut qu'on arrête cela. Le spirituel, lorsque ça règne dans la vie de quelqu'un, le matériel suit. Lorsque Dieu veut. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 15 et suivant. Jusqu'à ce jour, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 15 à 18. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Remarquez bien, on n'est pas des juifs pour montrer effectivement la révélation qui était dans l'Ancien Testament par rapport au Nouveau Testament. On dit que quand ils lisent Moïse, un voile est jeté dans leur cœur. Donc ils sont plutôt bloqués dans les Écritures. Maintenant, regardez bien. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Donc normalement, ça veut dire que si quelqu'un est converti au Seigneur, s'il va dans les Écritures, ça va être clair pour lui. Pas vrai? Maintenant, regardons ce qu'on dit. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est ça, frère? Ok, maintenant, regardez. Nous tous qui, le visage découvert, donc ceux qui ont été convertis, qui peuvent maintenant voir la chose au clair dans la Bible, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Quelqu'un lit la Bible, dit que votre Jésus-Christ là, il est heureux. Mais toi, tu regardes, tu dis, waouh, le Seigneur, waouh, dans quel miroir? La parole. Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Donc, comme tu vois Jésus-Christ, c'est comme ça que tu es transformé. Est-ce que c'est ici? Comme tu vois Jésus dans, là-dedans, c'est comme ça que tu es transformé. Souvenez-vous de ce que le Seigneur a prévu pour ses enfants. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Donc, comment est-ce qu'on regarde Jésus dans là-dedans? Comment est-ce qu'on regarde? Donc, vous voyez donc qu'il faut qu'on regarde dans ce miroir-ci. Si vous ne regardez pas dans ce miroir, comment est-ce que vous allez être transformé? Donc, il faut véritablement s'approcher. S'approcher, donc, ça veut dire méditer chaque fois. Plus vous méditez chaque fois, c'est ne pas courir, aller quelque part. C'est pas ça dont il est question. C'est ouvrir la Bible, prendre du temps devant le Seigneur pour savoir ce qu'il a dit de toi. Ce qu'il a à dire de toi. Il n'y a pas deux endroits où vous allez trouver, c'est ici dedans. Vous devez vous retrouver ici. Et pour cela, il faut que nous disposions du temps pour cela. C'est pour ça qu'il dit tout à l'heure, c'est les soucis du monde qui sont notre préoccupation. Le fait qu'on cherche des choses qu'on doit faire. Et par conséquent, plus qu'on trouve des choses qu'on doit faire, plus ces choses nous occupent plus. À un moment donné, le Seigneur frappe, bam, il reste tranquille. Il dit, oh Seigneur, vous voyez très bien qu'à ce moment-là, on prie Seigneur. Seigneur, ouvre ta voix pour que ces gens-là comprennent que tu es Dieu. Et pourquoi ils te laissent encore me fuir? Que reste là-bas. Que reste là. Je t'aime comme ça. Depuis que tu cries les années, tu es mort. Il te donne le nécessaire. Un frère passe comme ça, il glisse 100 francs. Tu dis encore merci. Tu vois les 100 francs là comme l'or. Pas vrai? Après, tu prends le 100 francs, tu pleures. Mais voici qu'il nage dans les millions. Quelqu'un me donne 100 francs. Qu'est-ce que le Seigneur fait pour que tu apprennes à dépendre de lui? Parce que si tu mets l'argent, que tu sois indépendant, il n'y a pas de prière. Tu manges bien, tu fais, tu pas dormi. Mais le jour qu'il n'y a pas la nourriture, tu pries à cause du fait qu'il n'y a pas la nourriture, que tu espères que le lendemain sera bon. C'est pour ça que Dieu utilise des moments difficiles pour nous parler. Dieu utilise des moments difficiles pour nous parler, pas pour nous tuer. Parce que si les sorciers pouvaient être tués, ils devaient le faire depuis. Si la famille devait être tuée, ça devait être tué depuis. Si la honte devait être tuée, ça devait être tué depuis. Si la moquerie devait être tuée, ça devait être tué depuis. Normalement, avec les moqueries, la famille qui devait être derrière sec. C'est-à-dire que si on dit encore le moqueries un peu, comment tu dis que je suis déjà sec? Je n'ai entendu ça. Est-ce que c'est ici? Donc, même si on dit n'importe quoi, que ton Jésus là haut, il est là. On veut le voir. Il a demandé que tu le vois. Hein? Chacun a son tour chez Jésus là. Vous savez, n'est-ce pas? Il dit, lorsque nous lisons, nous contemplons dans ce miroir, nous sommes transformés par... Je veux que vous compreniez ce que la Bible dit. Vous sommes transformés par la même image. Ça suppose que Dieu, dans la Bible, a une forme qui veut te donner. Il nous invite donc à contempler cette forme-là, au travers de la Bible. Il a une forme, une façon. Il veut nous façonner. Il veut nous façonner lorsque nous contemplons dans ce miroir. C'est-à-dire quoi? Il y a des comportements en nous qu'il doit quitter. En lisant ici, lui nettoie. Il y a des choses qu'il veut mettre en nous. Des attitudes adoptées. En lisant ici, il les met en nous. Il y a des choses qu'il veut nous révéler. En lisant ici, il nous les révèle. Il y a des choses qu'il veut que nous sachions de lui. En lisant ici, nous voyons ces choses de waouh. Donc, je fais comme ça, il priait mal. Waouh, depuis deux ans, il ne fait plus comme ça. Il nous corrige. Et au fur et à mesure, vous commencez à voir poindre à l'horizon une lumière qui va aller grandissant dans votre vie. Dans votre vie, vous allez tourner derrière comme ça. Vous savez qu'il y a des fautes que vous avez faites dans la marche chrétienne. Vous n'avez plus fait cela parce que Dieu a utilisé la correction du Père pour vous donner cela. Vous entendez, n'est-ce pas? Donc, alors, chaque chrétien, lorsqu'il traverse par n'importe quelle situation difficile, doit comprendre que c'est l'école de Dieu. Dieu le conduit quelque part.
il y a un but pour lequel il est en train de traverser. Il y a un but pour lequel il est en train de traverser. Ce but doit être atteint pour Dieu. 1000 prières, 400 000 prières ne peuvent pas abréger cela tant que l'accomplissement de sa voix sur ta vie n'a pas encore atteint. Alors c'est pour cela qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel, comme dit la Bible dans ce livre des Proverbes, dans ce livre des prophètes. Donc, ne murmurons pas. Ne cherchons pas, pourquoi tes choses m'arrivent? Non. Approchons-nous vers Dieu. Approchons-nous vers Dieu. Quand on s'approche, plus vous savez, vous êtes loin dans une obscurité, dans des ténèbres comme dans le monde. Vous voyez très loin, vous voyez la lumière. Plus vous vous approchez, plus l'endroit où la lumière est en train de projeter s'éclaircit davantage. Vous sortez des ténèbres pour la lumière. Le Seigneur dit, il va s'approcher de nous. Il a donné la promesse là-bas. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de nous. Donc Dieu nous a invités en disant, allons dans la parole. Si on va dans la parole, il va s'y révéler. La question est, sommes-nous prêts à abandonner donc les choses qui nous attirent d'une part et d'autre? Il faut que chacun examine sa vie pour voir quels sont les obstacles à ce que la lecture de la Bible. Quels sont les obstacles? Il ne s'agit pas juste de lire ce livre, c'est comme un roman. Il s'agit de comprendre, comme je viens de le dire là, que je m'en vais dans ce livre-ci, il faut que Dieu m'en parle. Pas comme ça là. Ce que tu vas voir comme ça, tu vas dire que ni les fornicateurs ne regardent pas, tu vas faire comme ça, tu vas fermer rapidement. Est-ce que c'est pas comme ça? C'est un livre qui a été donné fidèlement. Donné à 44 personnes. Donné sur une période de 1500 ans. Écarté les uns les autres par des années. Ça suppose que la personne qui a donné quelque chose de façon harmonique à la première personne, donné encore à la deuxième personne pour éclaircir davantage, il a pris du temps pour mettre ces informations là-dedans. Ce n'est pas quelque chose que tu peux espérer comprendre en un jour. Donc c'est quelque chose qui veut qu'on prenne méthodiquement notre temps pour appréhender clairement ce qu'il a à l'intérieur pour pouvoir glaner notre foi dans cette parole. Amen. Si vous voyez cette parole, la façon que c'est écrit, vous devez savoir que c'est comme Ecclésiastes chapitre 12 le dit, que toutes les paroles là, c'est comme donné par un maître qui réunit ensemble, on peut planter le clou. Pas, vous voyez que c'est en harmonie. Vous comprenez mes frères et sœurs? Il est nécessaire que chacun de nous s'approche de Dieu, parce que chacun en s'approchant de Dieu, connaîtra exactement quelle est sa position et par conséquent ne courra pas dans le couloir de l'autre. Les guerres de positionnement, des jalousies que nous avons dans le Seigneur. Vous avez vu tout à l'heure dans Luc chapitre 12, 22, les disciples ont commencé à dire qui est le plus grand. Alors on va encore être au milieu, l'autre va dire que non, l'autre prêche plus que l'autre. C'est pas ça. Ce n'est pas une compétition ici dedans. C'est un service qu'on a de rendre. Et chacun a reçu un service du Seigneur. Chacun doit remplir son service. C'est ça, n'est-ce pas? Nous sommes co-ouvriers avec Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? Chacun va recevoir de Dieu selon les louanges qui lui est, destinées. Donc, je ne travaille pas en fonction de quelqu'un qui ne doit pas travailler en fonction de moi. Nous travaillons tous d'un même maître qui nous a engendrés, qui nous a appelés, qui nous a mis en service. Et nous travaillons pour lui. D'accord? Point de jalousie dans ces milieux. S'il y a jalousie, ça se pose qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose que je me souhaiterais être comme là-bas. Non, Dieu ne veut pas que tu sois comme quelqu'un. Il veut que tu sois toi-même parce qu'il t'a créé différent des autres. Vous savez, frère, Dieu veut que nous approchions de lui. Parce que l'heure à laquelle nous sommes en train de vivre, c'est une heure où si on ne fait pas attention, on sera très éloigné de lui. Hébreux chapitre 2. Le livre d'Hébreux. Merci Père. Hébreux, tout à l'heure nous avons commencé dans le livre de Jacques. Donc si vous rentrez le livre en arrière, vous allez voir directement Jacques. Vous y êtes? De Jacques là, on a pris le chapitre 4, verset 8, la partie A tout à l'heure. Vous rentrez le livre qui est juste derrière. Hébreux chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 1 du chapitre 2. Il dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que... Vous avez vu ce que le Saint-Esprit dit là? Vous avez vu? Je veux que chacun feuilletez votre Bible parce que vous avez vu cela devant vos yeux. Il faut que vous ayez ça devant vos yeux pour que vous ne pensiez pas que c'est moi qui suis en train de déclarer des choses ici. Regardez bien ce qui est écrit. Il dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus, vous entendez? C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Vous avez vu, il y a une conséquence. Si vous ne vous attachez pas à la parole, où est-ce que on sera? On sera emporté, c'est clair. Vous savez, n'est-ce pas? Non seulement ce que le Saint-Esprit dit ici, il y a une conséquence qui prépare. Donc, selon qu'on a entendu, il y a quelque chose, une conséquence. Plus vous attachez à la parole, plus vous entendez clairement, au fur et à mesure, vous demeurez dans la parole pour avancer.
vous régressez et vous régressez, il y aura une punition. Continuons ce verset, dit: car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant ainsi grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Donc il dit que si la parole a été annoncée par Jean, a eu une juste rétribution pour ceux qui ont désobéi. Vous pensez que nous qui avons un si grand salut, donc ça veut dire que ce qu'ils annonçaient était le signe précurseur par rapport au grand salut qui devait être annoncé. Il fait attention à ce que nous avons suivi de peur d'être éloigné d'un d'eux. Donc Satan a intérêt, et c'est ce qu'il a fait. Et je vous avais dit dans l'histoire de l'Église qu'il a deux armes principales. Dans ces armes principales-là, la plus grave, c'est la séduction. La plus grave de ces armes, c'est la séduction. Donc, voilà, vous allez voir maintenant que le fait que le matériel entre dans l'église, les chrétiens croient qu'ils sont bénis, qu'ils sont en grec, avec combien il y a plus de matériel. Ils ne savent pas qu'au fur et à mesure que le matériel entre développé, ils sont en train de s'éloigner de Dieu. Vous vous souvenez d'Apocalypse chapitre 3? Parce que tu dis que tu es riche. Non, je suis béni, Dieu m'a béni. Et il n'y a aucune bénédiction spirituelle. Il dit que tu es aveugle, pauvre, misérable et nu. Et il ne connaît pas. C'est ses frères. Il dit c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher à ce que nous avons entendu. Donc, si tu as entendu quelque chose, tu fais quoi? Et c'est clair, la règle est simple. Comme l'Écriture dit, ça ne peut pas mentir. Toute personne qui entend la vérité, même au milieu de nous, si c'est loin, ça l'éloigne. Aussi simple. Si c'est loin, j'ai entendu quelqu'un, on parlait des philosophies, c'est pas des raisonnements. Tu commences le raisonnement, ça doit être entendu. Tu penses que non, il exagère, la parole là exagère. On croit qu'on peut obéir plutôt ça. Si la personne a écrit ça, les personnes à qui on a destiné, c'était les êtres humains. On est les êtres humains, c'est destiné aussi pour nous. Il dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher, d'autant plus. Donc ça dit que maintenant, alors, remarquez bien en bas, en haut, le dernier verset du chapitre 1, il dit que les esprits là sont des anges, les anges sont des esprits en service, au service de ceux qui doivent hériter du salut. Donc pour dire quoi, dans ce ministère, nous ne sommes pas seuls. Il y a des êtres invisibles qui sont là pour nous soutenir dans le ministère. Il dit quoi, dans ce cas, attachez-vous davantage. Pour qu'on ne soit pas éloigné loin d'eux. N'est-ce pas, frère? C'est ça qui est écrit, n'est-ce pas? 2 Pierre chapitre 3. Depuis avancer seulement déjà. 2 Pierre chapitre 3. Ces choses ont fait maintenant que les gens ont quitté le terrain de la Bible sont basées sur les visions. Les visions, les visions, les visions. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Et à chaque fois, il y a des contradictions. 2 Pierre chapitre 3. Verset 10 et suivant. 2 Pierre chapitre 3, verset 10 et suivant. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. Nous sommes d'accord qu'il y aura une fin du monde. Nous sommes d'accord qu'il y a un événement qui va se passer devant nous. Le Saint-Esprit donne les avertissements ici aux chrétiens. Et sachant ces choses-là, conduisez-vous donc droitement. C'est ça, n'est-ce pas, frère? Il dit, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour du Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés s'effondreront. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Verset 14, c'est pourquoi bien-aimé, il s'adresse à qui? C'est pourquoi bien-aimé, en attendant ces choses, appliquez-vous. Quelqu'un souligne, appliquez-vous. Vous avez vu ça? Appliquez-vous à être trouvé par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Donc, voilà comment Jésus va venir trouver ceux qui va trouver. Vous avez vu, n'est-ce pas? Appliquez-vous. Donc, ça veut dire que nous avons un travail à faire. Vous ne pouvez vous appliquer autrement que dans la méditation quotidienne de la parole, dans le travail assidu dans la parole. Il dit qu'on doit, dans ces Hébreux chapitre 2, il dit que nous devons d'autant plus nous attacher à ce que nous avons entendu, de peur d'être éloigné loin d'elle. Ici, il dit que c'est pourquoi, bien aimé, en attendant, appliquez-vous. Donc, on n'attend pas les bras croisés. Il y a un travail à faire. C'est frère. Il dit, c'est pourquoi appliquez-vous à être trouvé par lui sans tâche et irrépréhensible dans la paix. Croyez avec. Enfin, le sens là, allons dans 1 Pierre au chapitre 4 maintenant. 1 Pierre au chapitre 4. Remarquez comment ça commence dans ce verset 7. Il dit, la fin de toute chose est. La fin de toute chose est. Il veut dire clairement que quelle est notre attitude? Il rappelle d'abord que voici quelque chose qui vient d'arriver. Bon, après, il donne l'attitude qu'il faut tenir. Il dit quoi? Soyez. Et.
pour... Vous entendez ça, frère? La fin de toutes choses est... Donc, bientôt, ça va s'arrêter. Et Dieu nous a dit qu'il va venir. Il a dit dans ses deux pieds tout à l'heure que la fin de ces choses-là viendra comme un voleur. Donc, subitement, ça va arriver. Ça va fondre sur la terre. Il dit, la fin de toutes choses est proche. Soyez sages. Ça veut dire que prenez la bonne part. Prenez les bonnes décisions. Prenons les bonnes résolutions. Mettons-nous à l'œuvre. Au pays des Blancs, les chrétiens ont tellement vendu les droits de naissance des terres enceintes que c'est « time is money ». C'est-à-dire que toute chose, c'est de l'argent. C'est pour ça que les gens me disent que tu mets les enseignements de 3 heures, on n'a pas le temps pour suivre. Ils n'ont pas le temps pour suivre parce qu'on les a habitués à 15 minutes de prédication. Il faut qu'on fasse 15 minutes parce qu'on a du boulot. Ils ont du boulot. Ils vont aller au travail, rentrer un jour, ils ne partiront plus jamais. Les gens se réunissaient dans l'Ancien Testament, sous les Esdras. Les gens étaient réunis comme ça, là, sous toute la pluie, pendant la saison pluvieuse, pour écouter la parole du matin jusqu'au soir. Ça, c'est souvent, pour écouter la loi. La loi charnelle. Le ministère spirituel qui accorde la délivrance et les bénédictions à l'âme. Et l'héritage avait les sanctifiés. Quelqu'un dit que ça dure trop. Mais les Champions League, on peut voir à tue-tête. On peut suivre toutes les séries de télévision de Prison Break en passant par La Sorcière du Diable. On a tous les DVD. Ne voyons-vous pas donc que Satan est en train d'initier les chrétiens à la sorcellerie? Ne voyons-nous pas que ça veut dire que nous, les chrétiens de cette époque, nous ne sommes pas sages, malgré que les injonctions du Saint-Esprit se soient sages? 1 Pierre chapitre 5. Nous sommes dans le chapitre, c'est le chapitre 4 qu'il a donné là tout à l'heure, c'est ça? Chapitre 4, dans le verset, vous avez dit le verset 7. Il dit la fin de, dans ce verset 4, verset 7 du chapitre 4, il dit la fin de toutes choses est proche. Soyez sages et sobres pour vaquer à la prière. Donc choisissez au milieu de ces situations, c'est d'aller plutôt à la prière. Faites le bon choix. Allez à la prière. N'est-ce pas c'est pour nous qui s'écrit ainsi? Mais qu'avons-nous fait depuis que c'est écrit? Ou bien que faisons-nous? J'espère que ce soir, si ça va changer alors. Que les bonnes décisions seront prises. C'est-à-dire que nos vies, il faut que chacun sorte avec une résolution de mettre les choses au clair. Souvenez-vous, c'est individuel. Quand il va venir, il va dire que les maisons, si vous êtes prêts, tout le monde, jamais. Celui qui sera prêt, il va prendre celui qui va être prêt. Donc, 1 Pierre chapitre 5, où nous allons sortir par là. Lisons à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Frère, tu peux nous lire cela? 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Jusqu'au verset 11. Écoutez très attentivement. Soyez sobres. Veillez, votre adversaire du diable rôde comme un lion rugissant. Stoppons là-bas. Vous avez suivi? Dans 1 Pierre chapitre 5, 4, verset 7, il dit que la fin de tout chose est proche. Soyez sages. Donc, il faut qu'on entre dans la prière parce que c'est proche, n'est-ce pas? Satan dit également, c'est que c'est proche. Il rôde donc pour chercher donc qui est négligent pour l'amener de son côté. Soyez sages et sauf pour vaquer à la prière. Il dit que là, ici, allons-y frère. Soyez sauf, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant. Comment donc quelqu'un va veiller s'il ne reste pas sur les... Comme dans Hébreux chapitre 2, il a dit que, qu'on veille, qu'on reste sur... qu'on s'attache à ce qu'on a entendu. Comment on peut veiller si on ne s'approche pas, on ne s'applique pas, comme il a dit dans 1 Pierre chapitre, dans 2 Pierre chapitre 3, verset 14 tout à l'heure. Comment? C'est ici, n'est-ce pas? Il dit que soyez sobre. Donc, ne somnolez pas. Veillez. Ne somnolez pas. Ne permettez pas que quelque chose vous attire de l'autre côté. Soyez sobre. Écoutez bien. Sobre. Quand quelqu'un est gardien de nuit, il reste dans les défenses. À un moment donné, comme il a des somnolés, il se pourrait qu'il trouve un couteau devant son nez directement. Il n'a pas le temps de réagir. On l'a immobilisé. On l'a surpris alors qu'il devait veiller. Il dit soyez sobre. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde. La Bible déclare que cherchant qui dévorera. Donc il a de chercher ceux qui ne veillent pas pour les distraire. Parce qu'en réalité, le cœur doit... Écoutez très attentivement. Le cœur que vous avez là, chacun touche au niveau de son cœur. Touchez au niveau de votre cœur. Vous sentez ça battre? Si ça reste neutre, vous mourrez. Si ça reste neutre, vous mourrez. Il faut que le cœur écoute quelque chose. Il faut que le cœur écoute quelque chose. L'inspiration doit lui être donnée. C'est pour ça qu'il faut que le cœur soit occupé à la voix du Seigneur. Si ce n'est pas occupé à la voix du Seigneur, quelqu'un va lui parler. Il va recevoir l'inspiration de quelque part. Et en appliquant donc notre cœur à la voix du Seigneur, les choses perverses n'y entreront pas. C'est ici, n'est-ce pas, frère? Il dit, votre adversaire, le diable. Donc, il faut qu'on comprenne qu'on a un adversaire qui ne veut pas de notre bien. Nous devons être sages, nous devons être sobres, nous devons veiller, nous devons vaquer à la prière. Nous devons veiller. Vaquer à la prière. Donc, il est temps que nous entrions dans la prière. Il dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, le rugissant, cherchant qui dévorer. N'est-ce pas?
cherchant qui il va dévorer. Il dit résister lui avec une foi ferme. Comment tu vas avoir une foi ferme si tu n'es pas ancré dans la parole alors? Comment pourrons-nous avoir une foi ferme si nous ne nous ancrons pas dans la parole? Ah, c'est la parole qui doit nous donner la résistance, n'est-ce pas? Résistez-lui avec une foi ferme. Maintenant, depuis que vous êtes né, alors, le diable est venu vers vous. Mais on a dit clairement qu'il rôde comme un lion rugissant. Ça veut dire que quand le lion rugissant, le lion rôde en faisant quoi? En rugissant. Ça se pose qu'au devant de nous, chaque jour, lorsque nous avons laissé la prière, quelque chose nous a attiré notre attention. Satan nous distrait. Il marche aux côtés de nous avec des distractions. Il nous distrait. Il dit que résistez-lui avec une foi ferme. Avec une foi ferme, balancez la parole. Si ce n'est pas conforme à la parole, on balance la parole. On balance la parole. Vous voyez là ça, frère? Il ne vient pas lui-même pour dire que, hey, il n'est pas à la prière. Non. Il envoie quelqu'un comme ça que tu aimes. Il dit que, merde, tu as entendu ce qui s'est passé? Il dit que non. Bah, ça, André Méni, le réel. Tu prends la Bible comme ça, là, tes oreilles sont en train de waouh! Qu'est-ce qui ne va pas? Le bah, ça, André Méni, le réel. Et toi, tu es devenu quoi? Tu prends la Bible, mais tu en es d'écouter 250 milliards. Que, mais on est venu accompagner les autres sur la terre, c'est ou quoi? C'est ton cœur qui en est dit comme ça. Mais tu dis que je ne suis pas avec eux. Mais tu es vraiment plongé avec eux plus que eux. Et la Bible est devant toi, on est en train de lire. Quand ça ne va pas maintenant, les chrétiens trouvent maintenant des façons. Ce sont les versets de lui qu'on colle sur le lit. On colle, on dit que je suis couvert par le sang de Jésus. Il dort, il n'a plus le cauchemar que quand c'était collé. C'est le signe de la facilité. On croit qu'en écrivant le verset de lui, quelque part, ça chasse les démons. C'est n'est-ce pas? Quand on écrit comme ça, ça chasse les démons. Par conséquent, certaines personnes mettent ça sous leur oreiller. Ils croient que Satan va passer sous le lit pour avoir touché sa tête. D'autres disent qu'il dorment, il dorment. Après, il laisse ça tomber sur lui. Il dit que même s'il tombe, ça va me couvrir. Non, c'est pas comme ça. Quelqu'un m'a dit à Yahweh qu'il baigne. Il a dit qu'il part toujours. C'est quoi? Comment il a dit que l'air s'inondait avec le sang de Jésus. Il dit c'était terrible. Qu'est-ce qu'il s'inondait dans le sang de Jésus? Mais on le poursuivait toujours dans le sang de Jésus là. Elle s'inondait le sang de Jésus, quand on poursuit, elle court, elle ne va même pas à courir. C'est finalement le sang de Jésus qui veut le noyer. C'est la facilité. Parce qu'on a initié les chrétiens à la facilité. C'est-à-dire qu'on dit, non, si tu payes ton offrande, tiens, regarde ceci, tu sais que Dieu va exaucer ta prière. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Tant que tu n'as pas encore goûté que le Seigneur est bon, vrai, vrai, tu ne peux pas t'approcher de lui. Mais si vous avez goûté que le Seigneur est bon, l'exhortation est donnée de s'approcher encore davantage de lui. Pas vrai? Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, oui ou non, vous avez goûté qu'il est bon, ou bien vous avez eu des informations sur lui qui vous a convaincu. La Bible dit que si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous de même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un Saint-Sacerdoce, afin que vous offrez des victimes agréables au Seigneur. D'accord, frère? Donc, si vous n'avez pas goûté que le Seigneur est bon, alors vous êtes un canard en milieu des poulaillers. En plein poulailler. On va rôder comme ça, les situations vont nous tourner en rond, jusqu'à ce que vous goûtez qu'il est bon. Alors, si vous avez le témoignage que vous avez été dans une situation, Dieu vous a enlevé de cette situation, pensez-vous qu'il vous a enlevé de la situation A avec la situation B, pour que la situation C arrive et ne puisse pas vous enlever? Quel temps a duré la situation entre A et B? Dieu ne travaille pas dans les intervalles de temps constants. Il n'est pas monotone. Il ne travaille pas de façon directe, automatique avec les gens. Non. Il traite avec chaque individu selon sa volonté, à son rythme, selon ses manières. Seigneur, comme tu as fait à tel soeur, tu lui as donné l'enfant, donne-moi l'enfant. Il t'a dit qu'il veut donner l'enfant. Hein? Tu as fait ça à Sarah. Sarah a attendu 25 ans. Tu peux attendre. Même si il est vieillé, il était plus vieil. Mais c'est elle qu'on aimait partout, plus que jeune fille des pays. C'est pour un peu de temps qu'on te dit que maman, tu es comme Juxa. Tu pars dans le miroir chaque fois. Tu fais le miroir. Un bouton sort là, tu dis que le maudit bouton s'y sort. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on est plus astreint à entendre les autres. Il vous a dit que le cœur ne peut pas rester neutre. Même un païen va te parler, tu rentres à la maison, le sommeil ne vient pas. On va entendre encore la même voix là que, mais tu es fini. Mamie, c'est toi qui es fini, toi qui le connaissais. Tu pars au miroir, tu regardes ton corps, que, mais voici, je suis fini. Le jeune va me tuer. La joie est entrée dans ton corps. Que c'est toi? Qu'est-ce qui ne va pas? Alors la Bible déclare, dans ces 2 Corinthiens chapitre 4, que les légères afflictions du moment, c'est incomparable au poids des bénédictions à venir. Ce qui est écrit, frère, mais si on était dans la parole, alors nous devions avoir les consolations que donnent les Écritures, comme le livre dit, de Romains chapitre 15 le dit. Les consolations que donnent les Écritures. Ou bien votre refuge, c'est dans les pensées humaines. Ou bien votre refuge, c'est dans le Seigneur. Si c'est dans le Seigneur, souvenez-vous de ceci,
c'est à lui seul que vous devez rendre compte. C'est lui seul donc qui va vous demander des questionnements. D'accord? Et donc, dans ces cas, c'est à lui seul que vous devez soumission. Et donc, si c'est à lui seul que vous devez soumission, nous avons tout intérêt à nous abandonner entre ses mains afin qu'il fasse de nous ce qui lui plaît. Amen. Si c'est ce qui lui plaît donc, alors c'est, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Approchons-nous de Dieu. Approchons-nous de Dieu. Approchons-nous. Approchons-nous. Ne laissez aucune situation vous empêcher de vous approcher de Dieu. Plus les situations sont difficiles, plus rentrons davantage dans le Seigneur. Plus les situations sont difficiles, amplifions davantage vers la lecture de la Bible. Plus les situations sont difficiles, demeurons dans sa présence, dans le jeûne et dans la prière. Sachant que lui seul peut changer ces situations. Ne tentons pas de glisser de gauche à droite pour chercher la solution. De peur que nous glissons, nous ne rentrons plus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.